Une cérémonie empreinte de spiritualité et de savoir. Le gouverneur de la région Sidi Mohamed El Béchir a lancé ce jeudi 4 avril 2024 le concours de mémorisation et de lecture du Coran. Un événement d'une importance capitale pour la promotion de la connaissance religieuse et de la récitation sacrée parmi la jeunesse. Le coup d'envoi a été donné par le chef de l'exécutif régional, Sidi Mohamed El Béchir. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تتغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. L'événement a rassemblé une impressionnante cohorte de près de 40 candidats, chacun portant en lui le désir ardent de démontrer sa maîtrise des versets divins. Sous le thème inspiré, tenez-vous tous ensemble à la cohorte de Dieu et ne vous divisez pas. Ces jeunes esprits ont uni leurs forces pour honorer la parole sacrée du Coran. Ambe alafo kakirafo anga jamana tiki tola anga fama ubetola keren kereniala son excellence le colonel Assimi Goïta président de la transition amba ubefo Dante Folimina. Ambe dinamin don we ninde. Anwola mina we ninde. Amadina don ni nyoron burja, nyoron nini, nyoron farale. Aye dina don ni nyoron blasirade. Ani jogo nyuma. Aye concourir Boloda ni à deuxième édition di Folota ayake atame ko nyena anga jamana ti yoru wakati la aye kurane koloshi ani tapidi misiri doma nyina fane aye lampader di anga misiruma. Misiru misiru mbe bayangara inafo misiru bau jama be yoromina anya bisa ka se yoromina ni lampader fitini misoro dogama misoro waye lampader sabadi obe kaira bela silama bela ku akili bana. Dans un esprit de fraternité et d'unité, les leaders religieux musulmans de Badiangara ont également marqué leur présence en apportant leur soutien inébranlable et leur bénédiction à ces jeunes chercheurs de connaissances. Nenai jomira do walbi en walla alsilami jul do kala lam do walbi en walla alsilami jul do kala sabi lam do wiyani annabaju mudun o wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Cette cérémonie de lancement a été bien plus qu'une simple compétition. Elle a été marquée par le reflet vibrant d'une communauté unie dans sa quête de savoir, de foi et d'unité. Un témoignage éclatant de l'engagement du gouverneur Sidi Mohamed El Béchir et de la communauté à soutenir la jeunesse dans son chemin vers la connaissance et la spiritualité.